La nature a horreur du vide et ça faisait trop longtemps que le Real n'avait pas d'entraîneur. Normalement, quand un entraîneur est limogé, 24 heures après, on connaît l'identité de son successeur. Cette fois, ça a été long. Le Real a pris le temps, ne voulait pas des profils annoncés par la presse tels que Raúl, tels que Conte et tels que Pochettino. Et c'est finalement Carlo Ancelotti qui rafle la mise et qui revient au Real. Je suis content. Parce que j'avais très peur sur l'identité du successeur. Je ne voulais pas de Pochettino, je suis pas très attiré par ce gars. Je ne voulais pas de Raúl, que je jugeais encore trop vert. Et je voulais compter. Mais à ce moment-là, Ancelotti n'était pas cité parmi les favoris. Je voulais du changement, je voulais un Conte. Et finalement, Conte, ben, il avait un caractère qui n'était pas Real Madrid compatible. Trop dur, trop de polémiques, trop caractériel et surtout peut-être trop en front avec les joueurs du Real qui aiment bien tisser des liens avec leur entraîneur, notamment Zidane, anciennement Carlo Ancelotti. Moi je pense qu'il aurait fallu un Conte justement pour un peu remuer tout ça et repartir de l'avant, mais Ancelotti va pouvoir pallier les deux, c'est-à-dire garder cet aspect management hors pair avec les joueurs tout en apportant une certaine révolution dans le sens que... Carlo Ancelotti est un winner, il vient là pour gagner, il a déjà gagné, il connaît la maison Real Madrid, donc je ne suis pas inquiet de ce côté-là. La fin était décevante et c'était à l'époque en 2015, donc j'étais pas trop sur Twitter et tout ça, mais j'avais posté sur mon Facebook tout mon désarroi lors du départ de Carlo Ancelotti, mais parce que il faisait l'unanimité. C'était rare auprès des joueurs, auprès du staff, auprès des socios, des supporters, tout le monde était uni derrière Carlo Ancelotti. Malgré cette saison blanche, mais Florentino Pérez, en bon patron qu'il est, n'avait pas supporté que le Real ne remporte aucun titre et avec donc limogé Carlo Ancelotti. C'est pour ça qu'ensuite Zidane était venu. Là, c'est un peu le chemin inverse. Alors Zidane n'a pas été viré, mais ça y ressemble un petit peu. Et c'est Carlo Ancelotti qui va le remplacer. Alors pourquoi, selon moi, c'est un excellent choix? Donc comme je disais, au niveau du rapport avec les joueurs, ça sera parfait. C'est le maître absolu en la matière. Il est comme Zidane. Mise beaucoup sur cet aspect humain auprès des joueurs. C'est un entraîneur qui, en plus de ça, a un aspect tactique très développé. L'école italienne, on ne la présente plus. Et quand on regarde finalement le Real d'Ancelotti, c'était quand même spectaculaire. Alors moi, j'ai quelques matchs comme ça qui me reviennent. J'ai le match contre Barcelone, notamment le Classico, où il y a une contre-attaque fulgurante qui détruit totalement le Barça. J'ai surtout la campagne européenne en Ligue des Champions où ils vont exploser Schalke 04, ils vont étrier le Bayern de Guardiola en infligeant une humiliation à Pep Guardiola à domicile 4-0 avec cette espèce de transition rapide létale qu'avait le Real à cette époque. Alors, au niveau du jeu c'était bien, au niveau des rapports humains c'était parfait, mais au niveau des résultats aussi, c'est l'homme qui a ramené la décima. Il a enchaîné donc 23 victoires consécutives ou 22 victoires consécutives avec le Real. C'est le record du club. Il a le meilleur pourcentage de victoires de l'histoire du Real Madrid en 119 ans. C'est-à-dire que sur son passage de 2 ans, si je ne dis pas de bêtises, il a accumulé 75% de victoires. C'est ahurissant. Donc pour tout ça, je me dis que Carlo Ancelotti, qui connaît la maison Real Madrid, ben voilà, ça peut que marcher. Maintenant, il y a des doutes. Après son passage au Real, il n'a pas réussi du côté du Bayern Munich. On sait, l'école allemande est différente, ça n'a pas marché. J'étais le premier surpris. Ensuite de ça, on a vu qu'il a eu du mal à trouver un poste, il est parti du côté d'Everton. Après de bons débuts, on a vu que finalement, son club a commencé à rentrer dans le rang, et je crois qu'Everton cette année, c'est 10 ou 12e place. Donc, certains vont dire, c'est du réchauffé, il est fané, il est has-been. Par contre, quand le Real Madrid l'a appelé, c'est une opportunité unique de revenir dans le gotha des meilleurs clubs européens. C'était donc obligatoire qu'il accepte de revenir au Real. Ça relance un peu sa carrière qui était finalement en dents de scie depuis quelques années. Mais maintenant que tu as Carlo Ancelotti, tu peux avoir le meilleur entraîneur du monde. Si Florentino Pérez ne renouvelle pas l'effectif, Carlo Ancelotti, aussi bon soit-il, aura les mêmes problèmes que Zidane a rencontrés cette année. C'est-à-dire, tu vas pas remplacer Gareth Bale et Cristiano Ronaldo par Vinicius et Rodrigo, il va te falloir un attaquant ou deux. En défense, Sergio Ramos, annoncé partant. Est-ce que Ancelotti va vouloir le garder? Je ne sais pas, mais pareil, va falloir peut-être le remplacer numériquement. On parle de Jules Koundé. Au milieu de terrain, pareil, tu ne pourras pas compter uniquement sur Kroos, Modric, Casemiro. Alors, on sait qu'Odegaard va revenir, il y a Valverde, il y a Blanco. Donc, le Real devra mettre la main à la poche pour fournir un effectif de qualité pour Carlo Ancelotti, car, comme je l'ai dit, aussi bon soit-il, il faudra du matériel pour travailler.
En même temps que je suis en train de tourner la vidéo, je viens de checker mon téléphone et on m'annonce le retour de Pintus, le préparateur physique qui est considéré comme le meilleur dans son domaine. Donc double bonne nouvelle, le retour d'Ancelotti, le retour de Pintus qui travaillait donc avec Zidane, mais il était parti dans la team Conte au chômage, qui ne va sans doute pas retrouver de grands clubs cet été. Donc il retourne au Real, et ça c'est encore une excellente nouvelle, parce que si le Real a conquis autant de coupes d'Europe, c'est aussi grâce à leur forme physique exceptionnelle, ce fameux rouleau compresseur à partir de février-mars qui faisait qu'il roulait sur toutes les équipes en Europe. Donc écoutez les amis, c'était selon moi la meilleure nouvelle possible. Alors je voulais compter pour avoir du changement, avoir un nouveau style de jeu. On m'annonce Ancelotti, je suis très satisfait. Donc pour moi c'est une excellente nouvelle pour toutes les choses que je viens de vous dire. Il y a cette petite parenthèse Bayern-Everton qui peut laisser des doutes, mais moi je me dis que finalement il n'était peut-être pas adapté à tous les clubs. Mais en tout cas au Real il est adapté, il connaît la maison, il a réussi, il a gagné. Et s'il a du bon matériel en main, je suis sûr qu'il est capable de regagner à nouveau au Real Madrid. Maintenant que le transfert du coach est terminé, on savait que Zidane allait partir. On attendait son successeur. Maintenant que le coach s'est fait, on va se concentrer sur le mercato du Real. Ça a commencé avec Alaba. J'attends maintenant Mbappé. J'attends peut-être un milieu. Mais à choisir, voilà, moi j'aimerais vraiment que le Real fasse peur offensivement. Parce qu'au milieu, finalement, quand t'as Kroos, Modric, Casemiro, Blanco, Odegaard, Valverde, t'as 6 milieux de terrain qui peuvent t'assurer une saison. Moi, c'est plus le secteur offensif qui m'inquiète. Et j'espère que Carlo Ancelotti va avoir les moyens nécessaires pour gagner. Merci à tous les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et on se retrouvera d'ici quelques jours je pense pour essayer de voir comment Ancelotti pourra faire jouer cette équipe. Ciao les amis!